Alors j'ai choisi cette image pour la valise parce que c'est un travail que j'ai commencé il y a 2 ans à peu près, 2, 3 ans. Et bon, déjà j'ai fait beaucoup de choses autour des maisons et surtout de l'image de la maison fantasmée et de cette maison qu'on peut emporter un peu partout avec soi, cette maison qui nous rassure mais aussi qui peut se retourner contre nous. Il y a beaucoup de choses autour de ça dans mon travail. Et là, avec cette série de dessins, c'est une série assez simple où je demande juste à des gens. Qu'est-ce que vous prendriez? Enfin voilà, une dizaine d'objets, si vous deviez partir de chez vous dans l'urgence, avec l'idée de peut-être jamais revenir. Et donc, ce qui me plaît, c'est de voir un peu comme ça, sans réfléchir, de voir ce que les gens emporteraient. D'accord, En est-ce fait, que... c'est une vision assez, aussi assez simple. C'est juste que chacun ait une maison qu'il aime, dans laquelle il se sente bien, avec des objets, qui s'entourent d'objets qui le rassurent, quoi, qu'on puisse tous. Grandir dans un endroit qui nous plaît et dans lequel on se sent bien. C'est vraiment cette image du cocon et tout le monde devrait avoir, même si ça paraît très littéral de dire ça, tout le monde devrait avoir droit à cet endroit, mais quel qu'il soit, hein, que ça peut être une cabane vraiment physique, hein, une maison, mais aussi une cabane plus psychologique, seulement un endroit dans lequel on se sent bien.